Bonjour à toutes et tous, je suis Frédéric Essac, enseignant et cofondateur du réseau Prof en Transition. Je suis là devant vous aujourd'hui pour vous inviter activement à participer et soutenir, tel que le fait le réseau Prof en Transition, aux premières rencontres internationales de la classe dehors qui se tiendront à Poitiers du 31 mai au 4 juin 2023. Et j'appelle ainsi tous les membres de Prof en Transition, les 30 000 membres du groupe Facebook, à profiter de cette semaine-là pour sortir avec leurs élèves, quels que soient les niveaux, quelles que soient les disciplines, quel que soit le contexte urbain ou rural, faire vivre vraiment les valeurs qui nous animent sur le réseau, c'est-à-dire l'idée d'aller vers des pédagogies actives qui permettent aux enfants de se sentir bien, d'avoir des dispositifs de classe qui incluent l'ensemble des enfants, qui permettent à l'adulte et au corps enseignant également de retrouver une motivation à enseigner. L'école du dehors, c'est une fin en soi, mais c'est aussi un moyen d'accéder aux thématiques qui nous sont chères, à la biodiversité locale, à réfléchir à l'empreinte carbone de son établissement, à revégétaliser les espaces extérieurs pour qu'ils soient plus accueillants et ainsi créer des cercles vertueux. C'est aller à la rencontre des parents dans les cadres de la coéducation, à la rencontre des acteurs de la cité pour fonder les premières bases d'une citoyenneté qui se veut éclairée. Donc voilà, l'école du dehors, c'est une finalité en soi et c'est aussi un moyen de faire vivre toutes ces choses que les profs en transition ont à cœur. Et je rappelle que Prof en Transition, à l'image de la centaine d'organisations, est partenaire de cet événement. Et que donc on invitera également nos membres à contribuer in fine à ce que leurs pratiques pédagogiques, ce qui a pu être proposé, soit mis à disposition pour créer une bibliothèque partagée et ainsi faire vivre encore une fois les valeurs qui nous animent, c'est-à-dire donner du contenu qui soit libre de droit, inciter les personnes, les éducateurs de toute origine à emmener les apprenants en situation réelle de découverte et des apprentissages. Merci à vous, à très bientôt.